Bonsoir, bienvenue. Un plaisir pour nous avec nous, hein? Prenons un petit moment. Information importante que nous allons passer sur TPS. Restez branchés. Information importante qui fait sortir là. Bonsoir tout le monde, a un plaisir pour nous avec vous pour dernier jour d'année. En fait, nous profiter pour et souhaiter nous des vœux les meilleurs. En fait, nous porter information ça parce que c'est en fait l'important fait tomber là, qui concerne le monde sous TPSO qui s'allie, c'est bureau procureur général Washington, information qui s'allie 21 procureurs généraux. Eh bien, nos mémoires, eh bien que vous soutenez, vous dit que l'administration Trump de manière illégale mettez fin à TPS pour Haïtien. Procureur général Carl Racine avec homologue de Californie à Massachusetts, yo dirige jodi a un groupe de 21 procureurs généraux des États-Unis pour contester effort administration Trump-Lan a fait ou bien continuer à faire pour révoquer statut protection temporaire ça dans le TPS pour les citoyens haïtiens. Yo va comprendre que si pas malheur yo quitter administration Trump-Lan aller de l'avant, ça veut dire exécuter plan ça pour mettre fin avec TPSO. Détenteurs haïtiens dans district ça, plusieurs autres districts et l'autre état encore, il a perdu statut juridique et il a prend yo vulnérable à ça relé expulsion. Non mémoire que yo déposé auprès de la cour d'appel des États-Unis pour deuxième circuit, second circuit court qui titré sagesse et VS Trump, attorney général Racine et homologue Lio 21 au total. Yo souteni que l'administration Trump-Lan pa gen ken justification raisonnable pou te prendre décision ça, li violer sa dare de loi sur procédure administrative. Mémoire exhorté la cour d'appel deuxième circuit des États-Unis pour confirmer décision que nous connaît que tribunal inférieur, la veut dire tribunal fédéral te prend côté que yo dit yo te maintenu yon injonction à l'échelle nationale contre sa dare de révocation et TPS ça pour prévenir un préjudice général dans l'état sans statut protégé il pral gagner des centaines de résidents qui sont en Haïti on dit des milliers de résidents en Haïti qui vivent qui travaillent légalement dans plusieurs districts milliers d'autres à travers l'Amérique a perdu permis de travail et a menacé expulsion c'est ça l'attorney général a déclaré. Il dit que effort ça Donald Trump a fait c'est un bagaille qui cruel, qui illégal tout. OK, administration plan, il pas dans aucun motif. C'est de il pas gain aucune transparence. C'est une volonté que il te gagne justement pour le mettre fin avec TPS là. Mais pas gain aucune transparence. Collègue attorney général là ensemble avec en fait nous auprès de 21, ils toutes mes têtes ensemble justement et je vais comprendre que gagnon fado qui pesait justement sur l'économie locale, difficulté qui pral créer dans sécurité publique si jamais yo quitté administration Trump-Lan passer de la parole aux actes. District Columbia et l'état partenaire yo déposé mémoire ça. C'est ça j'ai coton qu'on ça le titré et yo bail appui contestation plaignant ou tentative administration en fait. Procès a été initié n'a pas vous par le National Immigration Project de National Lawyer Guild ainsi que plusieurs autres cabinets avocats. En fait, dit commencé on projet était commencé déjà. Nous songe j'étais prendre décision qui se dit en Californie à ces premières étapes. Mais là, les étapes appel nous là. C'est coup d'appel que 21 procureurs ça a demandé pour confirmer décision qui était prendre déjà. Alors, nous tout connaît que pays d'Haïti te recevoir et TPS depuis l'année 2010 ou qu'à comprendre et à l'occasion de en décennie qui va faire 10 ans de bizak ça donc tout procureur ça a décidé entrer quoi dans l'autre bataille on dit une bataille dans deuxième niveau pour sauver TPS haïtien. C'est depuis mois de mars 2017 administration Trump-Lan t'a cherché annuler
justement TPS pour haïtien et en pile bataille fait jusqu'à présent li pas arrivé et mettre à exécution. En fait document interne prouvé que c'est sous pression responsable Maison Blanche au secrétaire intérim d'alors là en parlant de Hélène Douk il était annoncé fin à TPS pour haïtien. Et en fait, il y a pas de véritable motif tout dit rapport monde qui sous terrain qui te voyé montrer que situation va stable, il y a pas vraiment tenir compte de lui. Donc décision entre en plan son bagage qui sans précédent. Lundi sans précédent dans le sens que habituellement lorsque il a terminé TPS, c'est en fonction de rapport monde qui sous terrain yo, diplomate de l'étranger yo, c'est en fonction de ça que yo décidé. Eh bien, ça te fait autrement. Les gens viennent en bagaille tout nouveau dans le sens que je dis ces conditions originelles là. Donc, ils ne tenir compte de conditions actuelles là. Ok? Donc, il y a demandé pour que vous maintenu décision. Hein? Décision que vous prenez. Il y a demandé deuxième circuit code là pour vous maintenir décision. Qui sont interdiction que vous battez pour le temps mettre fin à TPS là. Dans mémoire, ça, État au soutien de manière collective, rejet par tribunal là. Il est supposé confirmer parce que l'administration n'a pas justifié la décision pour évoquer TPS. Il dit que lui mettait fin à TPS pour Haïti a causé énorme dommage à des dizaines de milliers de familles américaines. Nous connaissons un bon petit monde, US citizen qui fait. Okay? 9% des dédans de TPS haïtiens sont mariés à des citoyens américains. Il y a à peu près 227 000 petits monde qui sont US citizen. Qui naît de famille ça. Sans TPS parents ça justement pour l'obliger choisir entre en fait qui sont on va cap difficile pour tout monde ça. Séparation famille a créé un fardeau économique pour état pour en pile ménage. Économie état industrie en pile business pour l'affecter taxe qui au jeune au niveau de TPS. Donc c'est tout point ça que nèg soulevé. Donc procureur général ça en fait, nous, mon leader, c'est Racine. Californie, Anthony Xavier Bercela. Massachusetts, nous avons Anthony Général Mora Alley. Yo dirigé mémoire dans le tribunal aujourd'hui. Et rejoint par procureur général de Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nouveau-Mexico, New York, Caroline du Nord, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington. Donc, c'est tout le monde ça. Qui met pied au nan de l'eau, nous l'autre fois encore pour capable arriver défendre cause haïtien. En fait, c'est un dernier effort, c'est un dernier bataille que attorney général ensemble de procureurs ça va mener pour protéger politique immigration fédérale pour empêcher résidents qui gagnent en pile temps sous terre de longue date pour t'a pas perdre statut. Faut nous bien procureur ça a mené en pile bataille déjà. Il te permet par exemple mettre fin avec séparation de timoun. Li permet bagay donc on est trompé gon bagay il a pas l'entrée causé faut gagner assurance santé pour entrer moun pas bon ici li bloqué là té gon causé public charge li bloqué donc li mené en pile bataille déjà li mené bataille d'humeur et voilà ça li mettait pied dans de l'eau pour haïtien justement donc c'est jodi a yo déposé amicus la mémoire là dans la cour d'appel donc nous mettait communauté haïtienne là au courant pour dire que grand pile moun k'ap bataille pour nous. Et que justement, bataille pour TPS là a continué. Et nous-mêmes, j'en toujours fait, nous te toujours promets tout. Tout dernier update, toute dernière information qui a rapport avec TPS là qui sorti, n'a pas fort qu'on est. En attendant, nous disons pour tout le monde, nouvelle là, c'est qu'on s'est toujours dit, nous gagnons TPS nous partons pour jusqu'à 2021. Et nous voulons dire pour tout le monde qui TPS ou pas gagner pour renouveler TPS ou pas gagner pour faire rien. Mais si vous voulez, j'en toujours dit, vous êtes capable de choisir, font quatre travail. Nous disons si vous voulez. Ok, mais on pas gagner aucune. Obligation pour faire ni 4 travail ni rien. Bon, j'en dis toujours qu'on est là, si vous besoin de voyager, on va toujours faire travel document. Si vous voulez, on l'autre 4 travail, on va payer. Non, on va pas l'avoir là, c'est $410, bien que le gain pour le monter, le gain pour venir picher. Si vous voulez faire une, parce que vous avez pour l'autre tout neuf, ou bien l'autre qui pour une date beaucoup plus récente. Parfois, il compte bon pour, parce qu'il y a des côtés qui sont tellement pas informés, là, on va y en 4. Vous comprenez? Bien que nous disons tout, l'État va dire ça, non? Donc c'est sauvé. Donc voilà, nous avons voté update ça pour et j'en toujours dit pour monde qui monte par bon la première fois, nous c'est un espace justement d'information sur. N'a demandé pour rester connecté avec nous, apaiser bouton subscribe ou apaiser cloche pour capable joindre toute information
que nous toujours partager avec subscribers nous. Nous voulons dire pour tout le monde qui est habitué avec nous, n'a fait tout effort nous demain mercredi à dans l'émission que nous faisons sur immigration réponse question n'a pas avec vous. Donc portez-nous tout bien.